Bonjour à tous les amis, donc ici c'est Praetorians Gaming, content de vous retrouver. Et donc aujourd'hui on va tester Farmers Dynasty, donc c'est un jeu agricole. Hein. On va hériter de notre grand-père, je crois, notre ferme. Et donc on va devoir acheter nos propres tracteurs, nos propres charrues, tout ça, tout ce qu'il faut, les remorques. On va avoir des missions aussi dans le village, donc on va aller voir des quêtes. Alors, il y a des gens qui vont nous donner du matériel, comme des charrues pour l'ensileuse, la moissonneuse, voilà. Ils vont nous donner du stuff de départ. Donc, on va devoir rénover aussi notre maison, la grange, le silo, tout ça. On doit réparer tout ça. On va avoir une petite serre, donc on va produire nos légumes à l'intérieur. Donc, voilà un petit peu. Donc, c'est un jeu qui est sorti le 21 novembre 2019. Il est noté très positif sur Steam. Donc, le jeu est en français, l'audio, les sous-titres. Donc, normalement, on devrait voir ça en français. C'est un jeu solo. Donc, on peut jouer au clavier souris, soit à la manette. Pour moi, ce sera clavier souris. Donc, j'ai jamais trop joué à Farmers Dynasty. Et ce sera vraiment l'occasion de faire un petit let's play dessus. Donc, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est un jeu qui vaut 30€ sur Steam. Et puis, bah voilà, c'est parti. Et donc, sans plus attendre... On va jouer à Farmers Dynasty. Donc j'ai laissé la musique, hein. Malheureusement on peut pas la baisser un petit peu plus. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Sinon c'est carrément désactivé, on peut pas cliquer, voilà, genre là, ça active pas la musique. Donc vous voyez, on peut rien faire. C'est vraiment le minimum et je peux pas mettre moins fort. Donc on va laisser ça comme ça, j'espère que ça va aller. Et donc voilà, c'est parti les amis, allez, nouvelle partie. Donc j'espère que ce nouveau let's play vous plaira. Et puis bah, on va tester ce jeu. J'avais envie d'essayer un jeu de ferme, une simulation de ferme. Donc on va avoir notre matériel à acheter au départ. Donc vous voyez un petit peu la maison qu'on va avoir. Elle est carrément en ruine. C'est la ferme de notre grand-père, je crois, ou de notre oncle. Je ne sais plus. Donc voilà, on doit réparer les toits, tout l'intérieur. Vous allez voir, tout est endommagé quasiment. Il va falloir rénover un petit peu. On a une petite serre, on va pouvoir commencer la production. On peut pêcher aussi dans le jeu, voilà, avec le petit plan d'eau là que vous voyez. Donc c'est assez sympa, vous allez voir. Donc il y a des coffres à trouver sur la map. Donc il va falloir parcourir toute la map. Et on peut avoir des récompenses assez sympas. Donc on peut avoir une chérie, on peut trouver une chérie, essayer de se marier, avoir des enfants. Donc nouvelle mission, introduction, parler à Oliver. Il s'occupe de votre ferme depuis le décès de votre grand-père. Donc oui, c'est bien notre grand-père. Je m'appelle Oliver et je suis ton voisin. Je m'occupe de cette ferme depuis le décès de ton grand-père. Enchanté, Oliver. Et merci de ton aide. Donc, si je comprends bien, c'est mon héritage. Oui, cette ferme et le terrain qui l'accompagne sont à toi à présent. Bienvenue dans notre comté. Merci. Je connais pas grand-chose à l'agriculture, mais j'apprends vite. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Et puis tu sais, on se serre les coudes par ici. Suis-moi, je vais te faire visiter les lieux. C'est parti. Très bien, donc là vous voyez le portail qui est complètement pourri. Ok, bah on va te suivre mon gars. Allez, on est parti. Il est hyper lent. On fait des coupures le temps. La ferme est en piteux état. Elle n'a pas vraiment été entretenue au fil des ans. Et je vois ça. Oh là là, oui, c'est carrément... Tout est détruit, là, nous-en. Voici ta maison. Le toit aurait bien besoin d'être tapé, mais tu pourras t'y reposer ou encore stocker de la nourriture. Tout est cassé, à l'intérieur. Oh, tu devras remettre cette ferme à neuf par toi-même. Rassure-toi, tu en seras bientôt capable. Ok, on va devoir rénover tout ça. Suis-moi. Oh là là. On a du boulot, les amis. Voici le garage dans lequel seront stockés tes véhicules. Bon, il est vide pour le moment, mais tu en auras rapidement besoin. Ton grand-père n'a jamais fini le dernier étage, mais si tu peux t'offrir les matériaux de construction, tu pourras retaper le bâtiment. Donc Oliver, hein, t'as pas vraiment entretenu la ferme hein, quand même. On va pas se le cacher. Voici ta grange. Elle est vide pour le moment, mais tu pourras y stocker le foin pour tes animaux plus tard. Mais colmate ses fuites avant toute chose, sans quoi tout va pourrir à la première averse. Okay. Le bétail de ton grand-père a été vendu. Tu devras racheter tes propres animaux. Là, on a le lisier, enfin le fumier qui est là. Okay. L'étable est vieille et aurait bien besoin d'être tapée, mais elle peut encore faire l'affaire. Tu peux te charger des réparations.
Pour commencer, colmate les fuites pour que les animaux ne tombent pas malades. Je vois que tu as été prévoyant et que tu as ramené tes propres outils. Parfait. Commence par réparer cette porte. Elle refuse de s'ouvrir. Ok. On va réparer. Bon, la porte devrait s'ouvrir maintenant. C'est parti. Premier truc de fait. Construis un échafaudage et grimpe sur le toit pour l'inspecter. Ah, l'échafaudage. Allez, on va mettre ici. Normalement, on va pouvoir monter. Ah, on va passer. Ok, ouais. Qu'est-ce que ça dit là-haut ? Redescends quand tu en auras terminé. On doit y aller. Suis-moi. Ok. Donc on répare à où là ? Ça y est, tombé du toit. J'ai eu de la chance. Donc comment on l'enlève là ? Ah ok, c'est eux, juste devant. Ok, c'est assez simple. Tu peux stocker les céréales que t'as récoltées dans le silo. Tu pourras ensuite les utiliser ou les vendre. Mais avant d'utiliser le silo, pense à le réparer. D'accord, donc on va le réparer tout de suite, comme ça, ça sera fait. Ok, donc le silo est réparé. Parfait. Donc là, on va aller voir là-bas. Ah, c'est notre serre. Voici la serre. Tu pourras y cultiver des légumes pour ensuite les revendre. Mais avant cela, tu devras colmater les fuites pour bénéficier de rendement maximum. Beaucoup de boulot à faire. Là, on a un petit espace de stockage. D'accord. Pas trop ce qu'on met là. Des patates, non ? Pas trop. Je vois que ton grand-père a acheté du matériel pour la réparer. Tu peux l'utiliser pour remettre à neuf ta serre. Tiens. Pour réparer au moins la porte de la serre. Tu te débrouilles bien. Je suis sûr que tu vas gérer cette ferme d'une main de maître. À vrai dire, j'ai peut-être du travail pour toi. De quoi il s'agit ? Ma grange aurait besoin d'être retapée. Tu penses que ça pourrait être dans tes cordes ? Le toit est bien endommagé et les murs auraient besoin d'un coup de neuf. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux t'offrir mon vieux tracteur si ça t'intéresse. Je suis sûr qu'il pourra t'être utile. Un vieux tracteur, ouais ! Eh ben, je prends. On va accepter. Parfait. Dans ce cas, compte sur moi. Bon, je dois rentrer chez moi. Bonne chance et à plus tard. Alors, rénover totalement votre ferme. Totalement, ouais. Il y a beaucoup de boulot à faire. Ok, on gagne 2000 points sociaux, 520 euros. D'accord, c'est super. Donc 52 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là ? Vous appréciez énormément. Ok. Donc on doit carrément réparer tout. Donc déjà on va aller voir la baraque hein, quand même. C'est ça qui va compter. Donc tout est cassé hein, comme vous pouvez voir avec la vue ingénieur. Tout ce qui est en rouge c'est cassé. Donc il va falloir réparer tout ça. On voit bien. Donc la maison principale. C'est là qu'on va dormir tout ça. Donc on voit bien que tout est cassé. Voilà. Il y a beaucoup de boulot à faire. Donc ok. Donc peut-être pour le premier épisode on va pas réparer tout de suite. Alors, on va pas faire ça. Je vais plutôt aller voir les quêtes. Donc, c'était... Donc là, c'est la carte. Donc, comme vous pouvez voir, elle est quand même immense. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, nous, on est là pour l'instant. Et on doit aller
Nidouillet, rénovez totalement votre ferme, d'accord. Oliver, récompense Jack Beer, C et 100 points sociaux. Donc on va aller rénover sa grange. Comme ça, on va pouvoir ramener le tracteur tout de suite. Donc là, on voit que ça, c'est à nous. Vous voyez, info du champ. Donc là, on en a deux. Donc on a du colza et du blé. Prêt pour la récolte, prêt pour la récolte. Donc on va pouvoir faire ça. On va pouvoir récolter les deux champs qu'on a près de chez nous. Donc on va aller voir là-bas, chez Oliver. Et puis on va retaper sa grange pour avoir son tracteur. Ça, ça va vraiment nous intéresser. Donc on va aller là-bas, les amis. Et donc c'était à 438 mètres là-bas. Ok, bah c'est parti. Donc on va ramasser quelques pommes au cas où. Donc ça c'est bien, on a des pommes juste à côté. Je pense que ça va vraiment être utile. On a une petite faim. Allez, je vais là-bas. A tout de suite. Ah ouais, il y a des cerfs, des sangliers. Ouais, c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment stylé. Il y a un petit peu de vie sur la carte. Moi, je trouve ça bien. Donc, pour l'instant, on doit y aller à pied. 150 mètres. Ouais, il n'est pas tellement loin. Tant mieux. Et là, pour l'instant, on est à pied. Donc, on n'a pas de vélo, malheureusement. Ni un vieux pick-up, je ne pense pas. Là, c'est le champ acquis, ça. C'est du blé. Prêt pour la récolte. Ouais, c'est pas mis. C'est pas acquis. Ça appartient. Ok, donc ça c'est la grange à retaper. Eh bien c'est parti. On va retaper sa grange. Hop. Donc on va mettre l'échafaudage d'abord. On va le placer ici. Et on va réparer son toit. Allez, c'est parti. On répare le toit. Donc on aura chez nous aussi à réparer, hein. On a du boulot. Donc déjà c'est bien d'aider ses voisins, mais chez nous, il va falloir le faire également. Donc il y aura des coupures, hein. Je vais pas vous faire voir toutes les réparations comme ça. Pour le premier épisode, bon, on va peut-être faire exception un petit peu. Je laisserai quelques parties quand même de réparation. Là on découvre tous ensemble ce qu'on peut faire. Là, ce côté là est fait, on va réparer l'autre. Ah super, j'aime bien quand c'est comme ça là, que les planches ils se rajoutent automatiquement quand on avance au fur et à mesure. Voilà, ça s'ajoute, ça je trouve ça stylé. Donc le toit est fait, donc il doit rester encore quelque chose parce que ah bah c'est peut-être là. Ouais, je pense que c'est ça. Super, on a fini. On a fini la grange, les amis. Voilà, on va prendre ça. Et on va lui parler. C'est ce que j'appelle du bon boulot. Merci. Bon, comme je te l'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ce Jack Bear est à toi. Ça devrait déjà bien te dépanner jusqu'à ce que tu puisses acheter un nouveau tracteur. Ouais, je suis un peu ric-rac, mais je pense que je vais avoir besoin d'autres machines agricoles. Tu devrais parler aux habitants du coin. Je suis sûr qu'ils auraient bien besoin de tes services. Tu vas avoir besoin d'une charrue, d'un semoir peut-être, et j'ai vu qu'il y a déjà une herse dans ta ferme. Bon courage en tout cas. Je vais demander autour de moi, merci. Donc ça c'est bien déjà si on a une herse. Donc on récupère le tracteur. Donc ça c'est vraiment super. Ok, après oui, c'est sûr que c'est un vieux tracteur, hein. Mais bon, il va faire l'affaire pour l'instant. C'est le principal. Donc là on a fini. 2100 points sociaux. Et 520 euros apparemment qu'on a gagné. Ah non, qu'on a en tout. D'accord. Donc alimentation, ouais, on a un petit peu faim. Ça va encore. Voilà. On va manger un petit peu. Et on rentre à la maison, les amis. Donc, ce que je vais faire, je vais virer l'étoile ici. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est quoi? Clara, mission. Alors, récompense.
Charrue et 500 points sociaux. Donc pour l'instant, la charrue, je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin. Il faudrait qu'on récolte d'abord. Donc il faudrait une moissonneuse. Nouvelle mission, labourer le champ. Superficie, ouais. Labourer. Labourer, donc c'est... Ouais, il faut labourer partout là. Là, il y a John. Ok. Clara. Récompense charrue. Donc il va falloir ça si je veux faire les missions de toute façon pour labourer. Est-ce qu'on le fait tout de suite ou pas? Ça, c'est une bonne question. Là, c'est quoi? Rendez-vous à l'église. 1000 points sociaux, d'accord. On n'est pas si loin que ça. On pourrait aller lui parler déjà. Donc je vais aller parler à Clara. C'est parti. Donc le tracteur, on va à 23 km/h. Il est très vieux. Pour l'instant, il va faire l'affaire. Ok, on va le laisser là. Mission Clara. Ok, je vais lui Salut parler. toi, ça te dérangerait de me donner un petit coup de main? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon frère bosse à l'étranger. Il était censé rentrer la semaine dernière, mais son contrat a été prolongé. Il faudrait labourer et hercer un de mes champs. Tu penses que tu pourrais t'en charger? Utilise la vieille charrue qui est là-bas, près de la grange. Tu pourras la garder quand tu auras terminé. Mon frère a l'intention d'en acheter une nouvelle de toute façon. Je te promets rien, mais je vais voir ce que je peux faire. Ok, donc on a une charrue là-bas, apparemment. Donc je vais aller regarder déjà comment elle est. Ok, super. Donc c'est pas très grand. Il va falloir passer du temps pas mal dans le champ. Bon bah c'est parti. On va faire le labour. Et comme ça sera à moi. Donc on aura le tracteur et la charrue déjà pour commencer. Pour labourer. Ce sera quand même super. Donc je vais l'atteler au tracteur et puis bah c'est parti, on va faire le champ les amis. Donc il y aura des coupures certainement. On va vous laisser tout le champ comme ça en entier. Je vais m'occuper de ça. Okay. Donc, le tracteur tourne bien en tout cas. Alors atteler charrue. Ah. Parfait. Donc labourer le champ. Et donc on doit aller là-bas. Donc ouais, c'est un petit champ, il est pas tellement grand. Ok. Bon bah on est parti, on va le faire. Alors, baisser la machine. R. Ok. Bon, bah je laboure ça les amis. Et puis bah c'est parti. Ça va me prendre quand même un petit peu de temps. On est à 10% labouré. On continue. Oula. J'avais pas vu le champ derrière. On a perdu un petit peu de points sociaux. On a 40% de labouré à peu près. Ça va assez vite.
Voilà, c'est bon. Donc pour hercer le champ, utilisez votre propre herse qui se trouve dans votre grange. Ok, donc faut que je retourne chez moi. Donc, je vais lever la herse. Je vais la charrue et puis hop, on rentre à la maison. Attention, attention. Ah là là. Il y a le sanglier qui passe juste à ce moment-là. Ah non! Bon, j'ai réussi à me débloquer, heureusement. Donc, on va changer de matériel. Alors, donc, pour la charrue... Pas la herse. Donc, la charrue, je vais la laisser là. Donc, dételer charrue. Hop! On va la laisser ici et je vais prendre ma herse qui est ici. Alors attelé. Voilà, on a pris la herse. Et puis bah on finit le champ à Clara. On va lui hercer son champ et puis comme ça, ça sera fait. Alors, baisser la machine. R. Bon, ben, on est parti. Je vais lui hercer le champ. Super, donc on a fini, on a gagné un petit peu en argent. Ok, bah je vais retourner voir Clara quand même un petit peu avant. On va lever la charrue. Elle va peut-être me dire quelque chose. Alors, Clara, là. Je peux t'aider ? Je débute un peu dans le milieu. Tu pourrais peut-être me donner quelques conseils ? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux savoir? Comment préparer la terre, ça c'est bon. Pour les semences. Et pour les semences? Tu peux en acheter au magasin agricole. Tu trouveras des semences préparées pour la plupart des cultures. Et la fertilisation? Tu peux acheter de bons engrais à la boutique. Il te suffit ensuite de les pulvériser sur tes champs. Mais si tu as des animaux, tu peux utiliser leur fumier pour fertiliser tes champs. Tu obtiendras des rendements maximum en combinant des engrais naturels et artificiels. Tu devras utiliser différentes machines pour cela. Comment récolter les cultures ? Utilise une moissonneuse-batteuse pour récolter tes cultures. Les modèles récents dotés de barres de coupe modernes t'offriront les meilleurs rendements. Je m'étais dit que ça aurait fini en moissonnant certaines céréales, le blé par exemple, tu pourras également récupérer de la paille, que tu pourras ensuite vendre ou utiliser comme fourrage. D'accord, ouais. Ça c'est bien à savoir, ok. Il y a d'autres choses que je devrais savoir? Je crains que mes compétences s'arrêtent là. Tu ferais mieux d'aller demander à quelqu'un d'autre si tu veux en savoir plus. Ok. Merci, à plus tard. Ça c'est qui? Bonjour. Tiens, bonjour.
Je recherche du boulot. T'aurais pas quelque chose pour moi? Non, pas pour le moment. Ok. Parfait, merci. Allez, à plus tard. Ok. Bon. Alors donc, on va rentrer à la maison. Marché agricole, d'accord. Donc qu'est-ce qui se vend bien? Waouh, les pois, 829 euros par tonne. Ouais, c'est énorme. Après, qu'est-ce qui se vend bien? Le soja. Les lupins aussi. Colza, c'est pas mal. Après, le blé, maïs, orge, c'est beaucoup moins cher. Donc ouais, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de missions de débloquer. Donc on pourrait se faire cela. Pourquoi pas. Donc je vais rentrer à la maison déjà. Et puis je pense que je vais faire un petit peu de travaux chez moi. Pour commencer. On va peut-être réparer la maison principale. Je vais faire ça peut-être un petit peu en hors cam aussi. Essayer d'avancer un petit peu chez moi. Donc en tout cas, on a récupéré le tracteur et la charrue. Maintenant, on peut labourer. Ça, c'est bien. On a bien fait de faire cette mission. Au moins, on a quand même récupéré du matériel. Bon, après, c'est du vieux matos. Hein. C'est vrai que là, le tracteur et la charrue qu'on a eu, c'est quand même très vieux. Mais bon, tant que ça fait l'affaire. Donc, on va se garer ici. Là, on va la dépeler, voilà. J'aimerais bien récolter mon blé, mais sauf que j'ai pas de moissonneuse. C'est ça le problème. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être réparer un petit peu chez moi, comme je l'ai dit. On va réparer ici, déjà là. Réparer un petit peu. Ah. Nickel. Là, il y a un coffre. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? C'est quoi ça? Une bouteille de parfum. Un cadeau luxueux qui fera plaisir aux femmes. D'accord. De la bière, probablement sans alcool. Lait concentré. Poisson à la sauce tomate. Ok, bon, on prend tout. Comment on fait pour prendre tout? Ah voilà, c'est ça. Ok, super. On avait un petit coffre ici. Donc ça a l'air réparé. Donc on va refermer ça.
Donc je vois pas ce qui reste encore à réparer pour la maison. C'est un peu bizarre. Si c'est pas validé, ah, c'est peut-être là. Il reste encore ça. Ah, super. Donc là, on a récupéré 10 000 points sociaux grâce à ça. Donc là, on a fini la maison. Impeccable. Donc là, on doit réparer ça. Et voilà, le poulailler est réparé, les amis. Super. Donc, 3000 points sociaux en plus. Donc, comme ça, on pourra avoir des poules maintenant. Vu que le poulailler est réparé complètement, intégral. Donc, ça, c'est bien. Donc, déjà, on a pas mal avancé quand même. On a réparé quelques trucs. Donc, là, c'est quoi? Grange. Ok. On a 1000 kilos de paille pour l'instant. Donc, je vais essayer de réparer ça, les amis. Orcam, bien sûr. Essayer de réparer toute ma ferme, la serre et tout ça. Et sur ce, les amis, bah, je vous dis à la prochaine, dans le prochain épisode. Donc, normalement, tout devrait être tapé, ainsi que la serre. Comme ça, ce sera fait. On aura réparé déjà notre ferme. Donc, je vais essayer de réparer tout ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. On voit à l'intérieur, c'est tout rouillé. Enfin, voilà. On va essayer de réparer tout ça au mieux. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. On s'occupera de labourer les champs des voisins. Et puis récupérer un petit peu de matériel. Là, j'aimerais bien avoir une moissonneuse en vrai. Pour récolter quand même notre blé et notre orge qu'on a. Pour pouvoir après revendre ça. Ou pour donner ça tout simplement à nos poules. Hein, pour tout le blé, j'aimerais bien. Donc les amis, à bientôt dans le prochain épisode. C'était Praetorians Gaming, et puis bah j'espère que vous avez aimé. Mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne, si c'est pas déjà fait. Et puis bah on se retrouve à très vite pour l'épisode 2. Allez, bye bye!